Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien? Bon, on va faire aujourd'hui. Oula! Ça, la lampe est par terre. Bougez pas, je reviens. Ça commence bien. Ça commence bien. Il y avait quelque chose dessus qui a disparu, bien sûr. Putain, purée. Bon, je sais pas où il est. J'ai oublié que ça tombe. Vu l'installation que j'ai. À la colère derrière, là, il ne sert à rien. On va faire juste une mise en beauté aujourd'hui. Je vais tourner deux vidéos d'affilée. Donc la mise en beauté, ultra simple, c'est pas un maquillage. Enfin si, c'est un maquillage, mais c'est une mise en beauté, disons. Et ensuite, je tournerai une vidéo astuce. Pour changer un peu, parce que faire toujours les mêmes vidéos chaque jour, c'est agaçant, c'est lassant. Ce serait des vlogs encore, ce serait bien. Là, c'est pas des vlogs, donc c'est pas très intéressant. Ça peut ne pas être très intéressant. Attendez, j'essaie de. Attendez, je vais essayer de trouver une autre solution. Bougez pas. Nous voilà repartis. J'ai changé un peu la chose. Hein. Oh. Elle est plus bien sûr tout le temps. Oui, donc juste une mise en beauté simple. Alors. J'hésite encore à savoir, est-ce que je vais mettre un fond de teint en stick, style Caudalie, ou, oula, j'ai pas pris le pinceau, ou directement, comme j'ai eu fait passer un temps, directement une poudre bronzante, c'est ce que je vais faire. Chercher les pinceaux. On va faire ça avec le gros, oh, il y a des cheveux. Les gros pinceaux, les pinceaux que j'ai lavés hier, qui sont ici, dans un très joli pot de sauce tomate cuisinée. J'ai des très jolis pots en exposition, et ça, c'est les pots qui sont un peu planqués sur mon étagère pour mettre ou les sales ou les propres. Si les autres sont moyens, vous voyez, ont peut-être été utilisés, oh là là là, ont peut-être été utilisés une fois, voire. Deux, mais bon, ils sont pas forcément très sales. Donc on prend, vous connaissez la poudre, la célèbre poudre Nuxe dont je vous rabats les oreilles depuis, attendez, je suis en train de mettre mes ongles dedans, depuis je ne sais combien d'années de vidéo. Donc c'est une, je vais vous la montrer, je m'en mets partout, je l'ai depuis un moment, mais elle est géniale, je l'adore. Alors elle est un peu satinée. Il paraît foncé, mais elle n'est pas trop. Si on, bien entendu, on ne fait pas comme moi. On va essayer de faire la légèreté aujourd'hui. Donc ça s'appelle la poudre éclat prodigieux, éclat prodigieux, poudre compacte bronzante multi-usage. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. T'en fais ce que tu veux. Alors, moi, j'ai pour habitude, et c'est un grand maquilleur de chez Estée Lauder qui l'avait dit, Patrick Lorenz qui s'appelle. Donc vous en mettez bien sur votre pinceau et ensuite vous écrasez votre pinceau dans le miroir. Si vous l'utilisez, si vous l'utilisez pas, bien entendu, pour vous maquiller. Voilà. Alors à savoir que bien sûr vous ne pouvez pas grand chose. J'ai un miroir ici, mais il est loin aussi. Bon alors, donc on en met partout, hein. Mais partout, partout, les oreilles. Bien les tempes, autour de la bouche, pour que ça paraisse pas blanc. Bien entendu, ne pas oublier le contour du visage, pour la finir s'il en a besoin. Moi, j'oublie jamais l'épaule qui est découverte. Voilà. La jointure du cou et du décolleté, bien évidemment. Maintenant, puisqu'on a la poudre bronzante, on va en profiter pour faire un léger contouring. Mais bon, c'est vraiment une mise en beauté traditionnelle. Un peu sur le nez parce que j'aime bien. Je trouve que j'ai un gros nez en ce moment. Allez, un nouveau complexe idiot. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À la base des cheveux. Elle est bien encadrée le visage en fait. Bon, le 3, on fait comme on veut. Le 3, le 8. Bref. En fait, on fait comme on le sent. Moi en tout cas. Je fais comme je le sens.
Là, je sens qu'elle a boutonné. Toujours la classe, France. Je referme mon boîtier. Ensuite, je vais juste se mettre. Je ne ferai rien sur les yeux à part du mascara. Oh, purée. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Parce que je suis sûre que... Ben oui, mais désolée, hein, pour l'instant, je ne peux rien faire de mieux. Dès que je peux, déjà, j'investis dans des ampoules blanches. Vous savez, moi, les ampoules, elles sont plus ou moins jaunes. Donc, mais bon, c'est mieux pour, je trouve... Ah, j'arrive pas à tenir mon... attendez, en blush, on va utiliser le étoile by Rouge J, qui est un blush duo, Blush duo, Farajou duo. Donc, c'est-à-dire que nous avons, vous voyez là, nous avons un rose mat. La grosse, plus grosse partie du bas est un rose mat. Et le tout petit croissant de lune en haut est un rose gold qui servira de highlighter. Ou alors on peut même faire les deux, patouiller dedans, faire les deux. Alors on va prendre ce pinceau de chez Yves Rocher, qui a je ne sais pas quoi au bout, qui est tout propre aussi. Il est doux. Alors moi je vais patouiller dans les deux en vrai. Hein? Voilà, je vais faire pareil sur le miroir et je vais poser mon blush comme ceci en croissant de lune. Voilà, même chose de l'autre côté en espérant qu'il y en a assez. Normalement, il y en a assez pour les deux joues. Oui, ça fait rosy. Oui, ça fait rosé. Rosy. J'ai rosy mon teint. Bah oui, le verbe rosir. Oh, bah oui. Oui, ça existe. Et puis là, on finit avec ce qu'il y a pour s'amuser. Bref. Voilà. Et on pose surtout le blush. Je rentre mes dents dedans, que je viens j'ai tout enlevé. Parce que j'ai trop envie d'aller faire mettre du vernis semi-permanent. J'en ai marre de faire les ongles. J'adore faire les ongles, mais c'est trop difficile pour moi. Mais bon, je réfléchis parce qu'en cette période de Noël, on a déjà beaucoup de frais. Enfin, surtout, je préfère mettre des sous dans les cadeaux de mes petits-enfants. Bien entendu, mes enfants, eux, non, pas vraiment. Ma fille, je ne sais pas. Mon gendre, je ne fais jamais de cadeaux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens de faire des cadeaux à tout le monde. Mon fils, s'il ne veut jamais de cadeaux, il me l'a déjà refusé une fois, donc je ne retente même pas. Donc, pour les yeux, je vais simplement mettre ma base pour les cils de Maybelline, qui va falloir que je change parce qu'elle devient trop épaisse. Alors, je le fais dans le... Enfin, c'est comme si l'ordinateur me servait de glace. Autant dire que... Vous voyez, il fait beaucoup d'épaisseur, je trouve, hein. Donc après, pour recouvrir tout ce blanc avec le mascara, c'est pas facile. Il va falloir que j'en... Oh, regardez. Oh là là. Ça patouille. Alors là, normalement, il faudrait que je prenne un truc pour enlever le surplus. Tire vers le haut. Voilà. Ouais, il faut que j'investisse. Enfin, investir. C'est un bien grand mot parce que c'est pas un gros investissement. Regarde en même temps, oui, je joue bien. Bon, bref, bien. Et on va mettre en mascara le Total Temptation de chez Maybelline. Je l'adore. Mais pareil, il est presque fini. Il commence à sécher aussi. Qui a une brosse? Je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Qui a une brosse? Une grosse brosse à poils, serrée, et qui, quand il est en sa pleine possession, ses moyens, très efficace. Ouais. Pour allonger les cils, mais là, comme il est également un peu sec, alors un mascara un peu sec sur une base un peu sèche, ça ne fait pas des...
J'avais pas des petits extraordinaires. Vous m'avez compris. Faut que j'arrête de dire ça parce que peut-être que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je dis? Il faut que je parle fort. Oh, je t'ai oublié, mon Fabrice, ça fait un moment. Enfin, je t'ai pas oublié, tu es au fond de mon cœur. Tu es dans mon cœur. Cœur, comme tout le monde d'ailleurs. Mais non, je vous taquine avec Fabrice. Et je le taquine parce qu'il a du répondant et j'adore. Quand il me taquine, je réponds, oh là là. T'inquiète, Pépette. Bon. Oui, alors pour mes petits-enfants, je vais en mettre en bas un petit peu. Attendez, je vois rien. Non plus, je vois rien non plus. Je vais approcher la veillette. Oui, pour mes petits-enfants, pour les cadeaux, c'est peut-être que je vous l'ai déjà dit. Ma fille, cette année, a fait une liste. Je trouve ça bien. Des cadeaux de toutes sortes. À plein de tarifs. Et je trouve ça bien parce que comme beaucoup d'enfants bien-nés, et parce que je pense à tous les petits-enfants qui, eux, n'auront pas de cadeaux, ils ont la chance d'être gâtés, voire peut-être trop gâtés. Entre leurs parents et la famille du côté de mon gendre. Oula, c'est que le mascara, il est sec, hein. Les cils sont bien secs. Ouh là là. Il est temps de changer. Mes cils ont cartonné. Vous entendez? Mes cils ont cartonné. Ça fait rien. C'est pas mal. C'est suffisant pour ce que je vais faire aujourd'hui. Ça dit rien. Oui, donc voilà. Donc je vais choisir des trucs sur la liste. Sachant qu'il faut que je me dépêche parce que beaucoup de choses sont prises. Ce qui est normal. Hein. Et moi, j'attends d'avoir les sous pour commander. Et c'est bien cette liste, si vous voulez que je vous en reparle, vous me le direz. Je ne connaissais pas moi. C'est une liste et je vais mettre, attendez, en même temps, je vais mettre juste sur mes lèvres un brillant à lèvres. C'est un brillant à lèvres de chez Cosmia, la marque Auchan. Je l'ai déjà présenté aussi. Mais alors, il est un peu pâteux. Alors des fois, après, quand je parle, ça fait des espèces de fils, c'est dégueulasse. D'ailleurs, je crois que dans la vidéo que je vous ai mise aujourd'hui, il y a des fils. Et là, oui, donc j'ai dit quoi? Oui, non, c'est fait. Parler la liste de mes petits-enfants. Bref, on va faire ça en début d'après-midi, dès que j'ai un peu de sous sur mon compte, pour qu'au moins les petits se soient faits. Voilà, puis après, ben on verra. Bon, écoutez, je crois que c'est bien. Hein, mais je ne sais pas si vous voyez grand chose. Attendez, je vais faire ce que j'ai mis là. Le ridicule ne tue pas. Pas m'en empêcher. Je suis désolée, je peux pas m'en empêcher. Bon, pas de sourcils, rien, on s'en fout, ça suffit. Oui, il y a les courses, mais ça suffit, c'est juste une mise en beauté. Et encore, j'ai mis longtemps parce que je vous ai parlé. Parce que sinon, ça aurait été bien plus vite que ça. Bon, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous adore, je vous aime, à bientôt. N'oubliez pas, commentaire, abonnez-vous, diffusez l'information que j'existe, s'il vous plaît. Oui. Faites-moi un cadeau de Noël, faites monter mon taux d'abonnés, mon nombre d'abonnés. Si toutefois, sinon, ami, je m'en fiche. Ouais, si je pouvais... 10 000 abonnés d'ici Noël. Sachant que je suis à 1080. je crois que ma chaîne a 4 ans. On est mal, hein. Mais parce que nous sommes en comité restreint et en comité de bonne compagnie. Oui, non, mais excusez-moi, simplement, je disais, ce que je disais, je le pense. J'ai oublié. Même pas, vous me l'avez dit. Mais je sais, ça n'existe pas, je ne pouvais pas parler. Je vais reprendre mon...
blush avec le petit croissant de lune qui est un highlighter. On va prendre l'highlighter, mais on va pas en mettre sur les joues, je suppose qu'il y en a assez. Ouais, on va mettre juste sur le bout du nez, bien sur le bout du nez, et sur l'arête du nez. Arrête, oui, je sais, c'est con. Maintenant, je mets du rouge à lèvres, c'est moins facile. Ah, et là, et voilà. Et tout ça, ça m'a sali dans un pinceau aussi. Tidou. Bon, ben voilà, allez, salut, je vous dis à bientôt.